Ok, salut tout le monde, c'est Siner. On se retrouve pour une vidéo encore une fois sur l'Arena saison 2, mais cette fois pas pour vous présenter l'Arena, mais pour vous présenter à peu près ce que vous pouvez en tirer en termes de NCG et donc de dollars. Pour commencer, je vous rappelle que les récompenses ont été revues à la baisse. Au lieu de 75 NCG pour le top 500, c'est 65, etc., etc. 1000 au lieu de 1006 pour les 10 premiers. L'Arena devrait commencer début mars. Et je vous rappelle qu'il y a également une autre façon de gagner de l'argent en étant bien classé dans les arénas de Nine Chronicles. On peut gagner de l'argent tout simplement en faisant des combats. Donc un free-to-play qui vient de commencer le jeu ne sera pas top 500, on est bien d'accord. En revanche, il gagnera quand même de l'argent. Donc vous gagnerez quand même de l'argent. Bien que cette vidéo ne soit pas un conseil en investissement, évidemment. Parce que, donc, bref, vous gagnerez de l'argent parce que chaque médaille vaut un certain nombre de NCG en fonction de la reward pool qui sera décidée pour l'Arena saison 2. Ça, c'était la récompense pour l'Arena saison 1. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, eh bien, moi, pour l'Arena saison 0, j'avais gagné 147 médailles. Ça avait duré 6 semaines. 5 semaines avaient été prises en compte au moment des médailles, pas les 6. Ça m'a rapporté 224 NCG, ce qui est énorme, sachant que les NCG vaut en moyenne 1 dollar et qui peut valoir jusqu'à 2,50 voire 3 dollars. On a même déjà dépassé les 3 dollars, mais le cours habituel est entre 1,50 et 2,50. Bref, donc 224 NCG à la saison 0, à la saison 1, c'est-à-dire la dernière saison qu'il y a eu. J'ai gagné 36 médailles parce que ça n'avait duré que 2 semaines et qu'ils ont réduit le taux de drop des médailles, évidemment, parce qu'il y a de plus en plus de joueurs. Et j'ai gagné 70 NCG, donc pareil, encore une fois, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire quand même 70 dollars pour avoir joué quelques minutes par jour, on va dire quelques heures par jour, 2 heures maximum, pendant 2 semaines. Ensuite, je vous rappelle que si vous avez la chance ou en tout cas le talent pour être classé top 500, les récompenses sont hebdomadaires. Donc, si l'aréna dure 2 semaines, vous gagnez 2 fois 65. Si l'aréna dure 1 mois, vous gagnez 4 fois 65, soit 260 NCG. Tout à l'heure, j'ai voulu record la vidéo, mais j'avais oublié de record, j'ai que le son. Donc, évidemment, j'aurais fait la vidéo. Je vais pas vous refaire les calculs, mais en gros, voilà. Voilà ce que j'ai gagné. Non, ce que j'aurais pu gagner, ça c'est si le cours est à 3 dollars, mais si le cours était à 1 dollar, voilà. Ça c'est la tranche basse de ce que j'ai gagné en NCG depuis que j'ai commencé le jeu, sans parler des ventes internes dans le jeu, c'est-à-dire le marché, etc. Ça c'est juste ce qui m'a été donné à travers les liens de référencement, à travers les récompenses d'arène et les retweets, ainsi que le Content Creator Programme pour lequel je gagne 30 NCG par mois depuis octobre. Donc j'ai gagné 664 NCG minimum en réalité avec les ventes que je fais dans le marché, etc. Je suis plutôt entre 7 et 800 NCG depuis que j'ai commencé à jouer, sachant que j'ai investi 100 dollars à l'époque où le NCG valait 0,80 centimes de dollars. Donc en gros, j'ai investi 100 dollars et j'en ai gagné entre 6 et 800. J'ai fait donc un x6 minimum depuis septembre. J'ai commencé à jouer en septembre, comme vous pouvez le voir ici. J'ai commencé à jouer le 10 septembre 2021. Voilà. Donc, si jamais ce jeu vous intéresse, rappelez-vous que c'est le moment d'entrer dans le jeu si vous n'y êtes pas encore, ou le moment de vous sortir les doigts pour avancer dans les stages si jamais vous jouez à Nine Chronicles, parce que l'Arena, la saison 2 d'Arena va sortir et que c'est le moment d'être bien classé en arène, les gars, pour récupérer de la money, de la moula comme on les aime. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle journée si vous regardez ça en journée. Et à bientôt dans le métaverse.